Lucie Djarna, je fais partie du conseil municipal des enfants de Montrouge. Je suis à l'école Boileau, élémentaire, et je suis dans la commission sport, culture, loisirs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait le 25 août. Là, on a fait les 12 plaques qui viennent sur Montrouge pour ceux qui sont morts à la libération de Paris. Oui, alors aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour Montrouge parce que non seulement, comme chaque année, nous commémorons la libération de Paris et de Montrouge, mais cette année, nous avons voulu célébrer Henri et Cécile Rolle-Tanguy, qui sont des personnages montrougiens, puisque Henri Rolle-Tanguy avait son PC, son poste de commandement, ici à Montrouge. Et donc, nous avons souhaité donner le nom de Henri et Cécile Rolle-Tanguy à cette allée ici, place des États-Unis, qui symbolise leur présence et leur action de résistance pour Montrouge et pour toute l'île de France, puisque c'est depuis ici à Montrouge que Henri Rolle-Tanguy a donné l'ordre de libérer Paris. Voilà, donc c'est un moment important. Nous souhaitions le faire, nous l'avons fait. Je crois que Montrouge s'honore de saluer la mémoire de ces grands résistants. Et aujourd'hui, les enfants de Rolle-Tanguy étaient là, ses deux filles et son fils. Je crois que c'était une très très belle et très émouvante cérémonie. Voilà. Mon père ouvrier, les rencontres de mes parents en 41 ici à Montrouge, chez une amie, et l'état-major, bien sûr, vu les conditions de sécurité, n'était pas toujours au complet. Mais là, ça a été fait pour la première fois à Montrouge. Et c'est le 19 août, début de l'insurrection, c'est de Montrouge que mon père part en vélo pour rejoindre Paris. Alors nous sommes Hélène et Claire Rolle-Tanguy, les filles de Cécile et Henri Rolle-Tanguy. Montrouge, pour nous, c'est vrai que ça a toujours été une commune dans la famille. On en parlait, la rue Verdier, etc. Parce que c'est un grand moment d'histoire. Mais c'est aussi, pour nos parents, c'était la sortie de la longue période de résistance pendant 4 années, où ils devaient se cacher. Et c'était le moment où ça basculait, il y avait les troupes de Leclerc qui arrivaient, il y avait les Parisiens qui en avaient assez, qui voulaient que les Allemands partent. Et ce qui est vrai, c'est que les Alliés, Leclerc, etc., et De Gaulle rendront hommage à cette résistance parisienne qui leur a grandement facilité les choses. Parce que Paris a été libéré plus tôt que ce qui était prévu.